vous avez été aux États-Unis dans le cadre d'un programme organisé par les USA pour, entre guillemets, repérer des personnes qui, dans l'avenir, pourraient avoir une place dans l'élite française, des personnes ici des communautés. Comment vous expliquez que ce soit les Américains qui font ce travail-là et pas les Français ? Alors, j'ai deux choses à dire sur ce programme. C'est que d'une part, il existe depuis 60 ans. C'est-à-dire que pendant 60 ans, en tout cas, pendant 55 ans, les Américains ont identifié parmi les futures élites, ce qu'ils estimaient être les futures élites, des gens qui étaient des gens qui appartenaient à l'élite française traditionnelle. Et à l'époque, ça n'intéressait personne. Et il se trouve que depuis quelques années, parmi les gens qui sont sélectionnés, il y en a à peu près un quart qui sont comme moi, issus d'immigration ou des quartiers populaires ou qui sont d'ascendance musulmane. Et du coup, c'est là que ça a commencé à interpeller les gens parce que j'ai l'impression que tant que les Nathalie Kosciusko-Morizet, Alain Juppé ou Nicolas Sarkozy partaient, c'était normal, et dès lors qu'il s'agit de gens qui ont des noms à consonance plus exotiques comme moi, on a commencé à s'interroger. Et là-dessus, je trouve qu'il y a quand même une différence de traitement qui est assez intéressante, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on croit que nous, on serait manipulés et manipulables plus facilement que d'autres personnes comme Tony Blair ou Margaret Thatcher, donc c'est assez intéressant. Après, moi, ce que je constate, c'est qu'effectivement, un pays comme les États-Unis s'intéresse beaucoup plus à moi que mon propre pays, la France. C'est-à-dire que moi, j'ai fait un voyage de 3 semaines, au cours duquel j'ai été amenée à visiter le pays, à voir quel dispositif était mis en place pour lutter contre les discriminations. Et voilà, c'était vraiment un séjour d'études, et c'est un séjour d'études que j'aimerais beaucoup faire en France, parce qu'après tout, c'est le pays dans lequel je vis, c'est mon pays, et c'est le pays dans lequel moi j'exprime mes opinions politiques. Donc c'est ce que ça démontre surtout, c'est le désintérêt qu'ont les Français et qu'ont les institutions françaises pour les potentielles élites ou leaders qui pourraient émerger des quartiers populaires ou d'immigration postcoloniale. Comment vous l'expliqueriez ? Par du racisme. Enfin, moi, je crois que je l'explique tout simplement par une forme de racisme qui est qu'on a un regard condescendant sur les gens qui ne sont pas blancs, dont on estime qu'ils n'ont pas de valeur, quoi. Et ça, pour moi, c'est très clair. C'est du postcolonialisme. Est-ce que le fait qu'aux États-Unis, il y ait clairement eu un débat sur l'esclavage, sur le fait de dire qu'il y a eu un moment quelque chose qui n'allait pas chez nous, on a essayé de le régler, même si tout n'est pas encore parfait, et qu'en France, on refuse toujours aujourd'hui de dire certaines choses sur l'histoire de France, est-ce qu'on peut y voir un lien ? Ce que je constate, c'est qu'effectivement, aux États-Unis, la question de l'esclavage, des traites négrières, a été traitée sur le plan artistique, par des films, par des romans, sur le plan politique, il y a eu véritablement un débat. Mais la différence qu'il y a entre la France et les États-Unis, c'est que l'esclavage s'est fait sur le sol principal américain. En France, l'esclavage a eu lieu dans les Caraïbes et dans l'océan Indien, donc assez loin de la vision de la majorité, ce qui fait que la culpabilité que peuvent éprouver les Américains par rapport au comportement de leurs aïeux n'est pas partagée par les Français, qui ont l'impression que l'esclavage et la colonisation, c'est un truc exotique qui a eu lieu dans un passé lointain et ailleurs. Donc là-dessus, c'est vrai qu'on ne peut pas activer les mêmes leviers en termes de responsabilisation, parce qu'il y a une distance physique et géographique. Après, à l'évidence, le fait qu'il y ait des films qui aient traité cette question, le fait qu'il y ait eu un film comme Racine, qui met en scène Kunta Kinte, qui a été diffusé en 76 sur la base de la nouvelle de Alex Haley aux États-Unis, qui a été un record d'audience, ça veut dire qu'elle a été regardée à la fois par des Noirs et par des Blancs, ça a un impact sur l'imaginaire collectif qui est colossal. Et ça, en France, on n'a pas d'équivalent. Comment vous expliquez qu'en France, dans le monde médiatique, que vous connaissez assez bien, en général, quand il s'agit de parler d'islam, jamais on donne la parole à des gens qui ont une pratique de l'islam poussée. Quand il s'agit de parler, par exemple, des femmes en voile, on n'invitera jamais une femme en voile pour en parler. C'est-à-dire que je pense qu'il y a deux choses. Alors, il y a une forme de flemme journalistique qui est qu'on sollicite toujours les mêmes interlocuteurs. Dès qu'on identifie un bon client, on va le faire venir régulièrement parce que c'est facile et qu'on n'a pas envie de chercher de nouvelles têtes. Et puis après, il y a évidemment le confort qui est celui de faire venir des gens qui pensent la même chose que vous et qui ne vous mettent pas dans une position inconfortable par rapport à des préjugés qu'on peut avoir. Et vous dites qu'on sollicite des musulmans, mais parfois on ne sollicite même pas des musulmans. C'est-à-dire qu'on va solliciter des gens qui sont présumés musulmans, auxquels on va demander leur avis, parce qu'on va estimer qu'ils ont une forme d'expertise, parce que sous prétexte qu'ils sont d'ascendance maghrébine notamment. Mais je crois que le vrai confort, c'est celui de chercher chez les minorités des gens qui vont accréditer le discours dominant. On ne cherche pas on cherche pas la subversion, on cherche véritablement l'assentiment par le biais d'une minorité qu'on va exhiber en disant « Regardez, même lui, il pense la même chose que nous ». C'est une manière de valider des politiques et des orientations médiatiques. C'est grave pour le journalisme ?
Bah, je crois que la situation journalistique en France est dans une situation de crise, mais liée à plein de choses, liée à effectivement un problème de distance critique, un problème aussi de moyens. C'est-à-dire que les journalistes aujourd'hui ont beaucoup moins de moyens qu'auparavant. Le temps qui est dispensé pour faire une enquête est un temps qui est ridicule. Donc dans ces cas-là, on n'a pas le temps, on a moins de temps d'aller sur le terrain, on a moins de temps de mener une enquête, de trouver des interlocuteurs favorables, de recouper les informations. Avec la course à l'information qui est alimentée par les chaînes d'infos, on a véritablement des difficultés. Puis après, le journalisme, il y a deux camps, il y a les enquêteurs et puis il y a les éditorialistes, dont moi je fais partie, hein, donc je ne jette pas la pierre. Mais il y a des gens qui font de l'opinion et qui ne vont jamais sur le terrain, donc qui ont des opinions sur tout, qui donnent le là parce que ce sont des leaders d'opinion, mais qui n'ont aucun appui concret pour agrémenter leurs propos. Vous êtes ici dans le cadre d'un colloque sur l'islamophobie. Vous avez fait une chronique notamment où vous parliez d'un essai de Madame Abji, qui comparait une femme voilée à une femme violée, quand on sait la violence que doit être un viol. Quelle a été la réaction en interne après cette chronique, puisque derrière, on continuait à considérer Madame Abchi comme une interlocutrice largement valable? Oui, Madame Siam Abchi donc, co-écrit ce livre qui s'appelle « Ni violée, ni voilée », dont le titre « Masquant la visée ». C'est-à-dire que mettre sur le même plan un foulard avec un viol, qui est une agression physique, un crime, c'est problématique, c'est irrespectueux à l'égard des femmes qui sont violées, c'est nier quelque part la gravité de leur agression, et puis c'est irrespectueux vis-à-vis des femmes qui font le choix de porter le viol. Et quelque part, ça montre aussi qu'il y a un féminisme à géométrie variable, qui va défendre certains choix de femmes et qui va en mépriser d'autres. Donc on ne peut pas défendre les femmes à leur place. Si une femme considère qu'elle a envie de porter le foulard pour des raisons quelles qu'elles soient, il faut la défendre en tant que femme, et elle n'a pas à être pointée du doigt pour autant. Si Siam Abchi, pour moi, c'est l'incarnation de la façon dont on considère que... C'est-à-dire qu'il y a des questions pour lesquelles on fait venir des intellectuels, des gens qui ont une posture, qui ont une réflexion poussée, etc. Puis il y a des questions, dès qu'il s'agit de citer, etc., soit on fait venir des rappeurs, soit on fait venir Siam Abchi, qui n'a absolument pas de crédit ni de caution intellectuelle. C'est pas une chercheuse, c'est une militante, en plus, qui milite dans une association qui n'a aucune assise sur le terrain. L'association féministe en banlieue, il y en a plein, il y a des Voix d'Aile Rebelles qui sont à Saint-Denis. Il faut savoir que Nipotini Soumise a été financée à hauteur de 500 000 euros par an. Alors vous imaginez que cet argent-là, si on le dispatchait auprès des associations qui font du soutien de femmes en détresse, quand même il y aurait une évolution dans leur situation. Donc c'est une association qui a toujours été soutenue par l'institution, par Raffarin au départ et puis aujourd'hui par Eric Besson. Hein. Il y a eu 80 000 euros qui sont venus d'Eric Besson. Donc, voilà, c'est une association qui est du côté du pouvoir. C'est aussi pour ça qu'on sollicite une personne qui ne va pas contester la machine islamophobe telle qu'elle est en route aujourd'hui. Donc elle est du côté du pouvoir, ça voudrait dire que dans tous les cas, quel que soit le problème, elle ne sera jamais inquiétée. Vous avez par exemple des ministres qui ont été soupçonnés de détournement de fonds pour lesquels la présomption d'innocence ne s'est pas forcément appliquée. Cette association-là, depuis quelques jours, il y a un scandale en interne avec des histoires de gros sous. Mmh. Et pourtant... la presse n'a pas l'air d'en faire ses choux gras. Comment vous pouvez expliquer ça? C'est vrai que ça a été peu relayé. Il y a deux journalistes qui ont fait vraiment du bon boulot à Libération, au Nouvel Obs, qui ont relayé les problèmes que rencontrait Ni Pute Ni Soumise. Après, moi, je pense que Siam Abchi n'a pas suffisamment de crédit pour ne pas être inquiété. C'est-à-dire que c'est pas Fadel Amara non plus. Fadel Amara, c'est quelqu'un dont la voix comptait, qui était identifiée, etc. Je pense que si l'association Ni Pute Ni Soumise disparaît, c'est parce qu'elle est ringarde, tout simplement, et qu'on va sans doute trouver d'autres formes d'action pour alimenter l'islamophobie ambiante. Mais je pense que Ni Pute Ni Soumise ne fait plus illusion, y compris auprès de ceux qu'elle servait auparavant. Mais moi, je sais pas, mais je parierais pas sur... Il est possible quand même que ça mette fin à des subventions monumentales qui étaient accordées jusqu'ici. D'accord. Vous parlez tout à l'heure de la flemme des journalistes, du fait du manque de moyens parfois, mais est-ce qu'on ne peut pas aussi penser qu'il y a une forme d'islamophobie claire de la part du monde médiatique, notamment, on prend le simple cas des élections tunisiennes, où le peuple tunisien a exprimé une opinion qui ne plaît pas au monde occidental, mais il l'a exprimée. Vous en avez parlé dans une chronique. Vous voulez revenir sur le traitement médiatique qui a été fait, notamment sur cette percée des islamistes? Absolument. Donc le parti Ennahda aurait rallié la majorité des suffrages pour ses premières élections tunisiennes. On devrait se réjouir du nombre de participation qui est de 70%. Mais depuis le début de la semaine, les unes des journaux titrent plutôt sur un versant assez inquiet par rapport à la percée de ce parti. Alors on lit partout des scénarios catastrophes, d'un islamisme qui pourrait être liberticide et qui gangrènerait potentiellement la Tunisie.
Tunisie. Christophe Barbier, par exemple, a interrogé dans un titre de chronique après le printemps arabe l'hiver islamiste et il s'inquiète du règne possible des imams. Alors on parle d'islamisme, mais le terme ne me semble pas approprié puisque quand on parle d'islamisme, on parle déjà d'extrémisme. Or, ce parti est surtout caractérisé par le fait qu'il est musulman. Alors oui, alors, je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a une islamophobie qui affecte la société française dans son ensemble. Mais ce que je crois, c'est qu'il y a une forme, quand je parle de flemme, c'est-à-dire qu'il y a une forme parfois de répétition mécanique qu'ont les journalistes qui... par exemple, quand Oussama Ben Laden est mort, tous les journalistes ont commencé à dire qu'il avait été immergé selon le rite musulman. Alors moi, je me suis interrogée, je me suis dit, mais quel est ce rite qui consiste à balancer les corps dans l'eau? Mais tout le monde le répétait comme si c'était une vérité établie. Et là, vraiment, il y a un manque de travail, il y a une flemme qui est complètement, qui était évidente, quoi. Et finalement, ça a été contesté au milieu de la journée par des musulmans et par des imams. Mais on voit bien que tout le monde, comme des moutons, a dit, il a été immergé selon le rite musulman. Donc ça, pour moi, c'est une preuve de manque de travail. Là-dessus, il y a une preuve de manque de travail, en tout cas de manque de rigueur. Après, sur la question de ce qui se passe en Tunisie, c'est qu'on plaque les peurs françaises sur une réalité qui n'est pas la nôtre. C'est-à-dire qu'on salue la force du peuple tunisien qui a réussi à se débarrasser d'un dictateur. Ils votent d'une manière qui ne correspond pas à ce qu'on imaginait, c'est-à-dire qu'ils votent pour un parti qui s'affiche comme étant un parti islamique, et tout d'un coup, ce parti devient, on va les dire des médias, un parti islamiste, ce qui n'est quand même pas la même chose. Et en plus, l'islamiste est un vocable qui est utilisé pour désigner indifféremment Al-Qaïda et un parti politique. Donc on voit bien que pour le français lambda, de lire qu'il y a un parti islamiste qui est à la tête de la Tunisie, évidemment, islamiste dans la tête de tout le monde, ça résonne avec terroriste. Et ça, ça fait peur aux gens. Ça fait peur aux gens, mais ça fait écho à nos propres peurs. Et quelque part, moi, ce que je plus que de l'islamophobie, pour moi, c'est du néocolonialisme, quelque part, de dire aux gens, vous devez voter comme ça, en portant au pouvoir des valeurs qui sont celles-ci que nous vous avons enseignées. C'est du néocolonialisme, mais le temps des colonies est fini. Et puis ce qu'ont prouvé les Français, c'est qu'ils défendaient les droits de l'homme quand ça les arrangeait. Parce que pendant que Ben Ali était au pouvoir, moi j'ai entendu personne dire les Tunisiens sont dirigés par quelqu'un qui ne respecte pas leurs droits de l'homme. Les droits de l'homme, pardon. Quand les femmes étaient dévoilées de force, quand les musulmans étaient emprisonnés pendant des années, qui défendait leurs droits? Qui disait qu'en Tunisie, il y avait un problème? Il n'y en avait aucun. Aujourd'hui, il n'y a aucun problème, si ce n'est que le parti qui a été élu se revendique comme étant un parti musulman-démocrate. Pour l'instant, ce n'est pas un problème. Quand il y aura des problèmes, s'il y en a, on pourra effectivement en débattre, mais pour l'instant, il n'y a pas de problème. Donc, je trouve qu'il y a quand même une anticipation qui est une anticipation qui montre une lecture ethnocentrée des faits. Malek Boutsi déclarait... On laissera faire les futurs dirigeants tunisiens jusqu'à un certain point. Bah moi, quand j'entends « on laissera faire les dirigeants tunisiens », je me dis « pour qui se prend-il » L'attitude qu'on doit avoir, nous, la question qui doit être posée. Tout à fait. Nous devons les laisser libres jusqu'à une certaine limite où pourra se poser la question du rôle de la France ou de l'Union européenne. Si les femmes sont emprisonnées en Tunisie, je pense que ça vaudra le coup de s'engager. Il faut contraindre, parce que tout pays est lié à vivre avec les autres, contraindre à ce que non pas on choisisse leur orientation politique, mais le respect des valeurs démocratiques. Oui, bien sûr, mais il faut... Occupe-toi de ton pays, quoi. Honnêtement, je ne comprends pas. C'est comme Nicolas Sarkozy qui va en Turquie faire la leçon en leur disant « vous devez reconnaître le génocide arménien ». C'est le même Nicolas Sarkozy qui est allé à Dakar dire que l'homme africain n'était pas rentré dans l'histoire. C'est le même Nicolas Sarkozy qui est à la tête d'un pays qui ne reconnaît pas le 17 octobre 61 comme étant un crime d'État. Moi, je suis désolée, mais faut balayer devant sa propre cour avant d'aller donner la leçon à d'autres pays. La Tunisie n'est pas une colonie française, donc Alain Juppé n'a absolument aucune légitimité pour surveiller la Tunisie. La Tunisie peut nous surveiller si on vote pour Marine Le Pen et qu'on la met au deuxième tour. Dans ces cas-là, il faut qu'il y ait une réciprocité. D'accord. Un cas très simple en France, dans le monde médiatique. Vous prenez par exemple le cas de Christine Ockrent, le cas de Borloo-Schoenberg, le cas de Montebourg, Audrey Pulvar, pardon. Ouais. C'est la femme qui s'est effacée à chaque fois. Absolument. Ce n'est pas l'homme. Mais absolument, mais de toute façon, on vit dans un pays qui est fondamentalement sexiste. Là-dessus, moi, j'ai aucun doute. Quand on vit dans un pays dont l'Assemblée nationale est gouvernée à 80... Quand on vit dans un pays dont l'Assemblée nationale est occupée par 82% d'hommes, je crois qu'il n'y a pas de débat, quoi. On est dans un pays qui favorise les hommes et qui est dominé par les hommes. Donc le sexisme, ce n'est pas une création des Arabes ou des musulmans. C'est quelque chose qui est largement partagé et qui, en France, a malheureusement une part très très belle. Et tout ce que montre l'affaire DSK, alors évidemment, il bénéficie aujourd'hui de la présomption d'innocence, mais tout le discours qui a accompagné l'affaire DSK montre à quel point la parole des femmes est minorée et montre à quel point on soutient des hommes en raison de leur appartenance au genre masculin, tout simplement. Je vous remercie.